Et bonjour à tous, c'est Brest, je suis pour une nouvelle vidéo, pour un unboxing de mon nouveau téléphone, le OnePlus 6, qui est là, sous blister encore. On va l'ouvrir ensemble. Donc, alors, là j'ai déjà prédécoupé le film Le Blister. Voilà. Camera focus, voilà, merci. Camera focus. Voilà, avec le 6 qui est marqué dessus. On ne voit pas trop, mais je vous l'ai pris en photo. Le petit logo OnePlus, bien sûr. Derrière, rouge, parce que je l'ai pris en rouge, couleur rouge. Alors, c'est 128Go de stockage. Là, sur le côté, c'est marqué The Speed You Need. Désolé pour mon accent anglais. Et là, c'est marqué OnePlus 6. Alors, avec... Donc, ça, c'est l'emballage. Avec... elle t'a offert des écouteurs OnePlus aussi. Alors, j'enlève le blister. Je sais pas si vous voyez trop parce que je suis en contre-jour en caméra. Voilà, là le logo avec les écouteurs, comment ils sont. Le petit logo OnePlus. Derrière, bon, rien, rien. Voilà, alors on va dépasser au déballage tout de suite. Nous allons déballer le téléphone ou les écouteurs. On va déballer les écouteurs. Bon. Hop. On ouvre la boîte et là on tombe sur les arrières des écouteurs en fait. Alors, on enlève. Voilà. Alors, c'est marqué Never Steal. C'était ouais. De toute façon, je vous montrerai ça en photo, on voit pas grand chose. Et Best Buds for Life. Me demandez pas la traduction, je n'en sais rien. Comme ça, ça c'est fait. Bon couteau. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Désolé. Hop. Tac. Voici la boîte. Voilà, alors dès qu'on ouvre, on a les écouteurs. Alors, c'est énervant parce que j'ai pas du tout de lumière. C'est vachement énervant. Et je sais pas comment c'est. Voilà, on a du mal à voir. Je suis vraiment désolé. Je vous prends ça en photo. Et je vous reprends. Alors, on reprend. Alors, j'ai essayé de mettre une petite lumière et tout pour que vous voyez mieux quand même. C'est vrai que je fais ça en fin de matinée, donc un peu moins de lumière, c'est que c'est un peu chiant. Alors, attendez. Ok, super. J'ai fait jouer les écouteurs, ça va pas le faire. Attends, tu vas pas les mettre ici. Ah bah voilà, simplement, tac. Voici. Les écouteurs. Tout simple. Hop, on défait le fil. Voilà.
l'embout. Là, je l'ai. Voilà la prise. Donc c'est des écouteurs normal. On va les écouter pour voir comment ça fait et tout. Et après, je vous dis mon avis. Allez, à tout de suite. Alors, maintenant, on se retrouve pour déballer le téléphone qui est là-dedans. Alors, attention. Et allez, le bloquant, il est bloqué. Alors, et on arrive sur le devant avec, avec le téléphone. Il tient même pas dans la... on dézoome. Voilà le téléphone. Putain, il est magnifique. Oh, ça va me changer de mon 5S, moi je vous le dis. Hein. Un 5 pouces, et là, je sais même pas si c'est un 5 pouces, le 5S. Mais alors, la grandeur. Oh là là. Alors là, il y a une petite languette, je sais pas si vous voyez. Franchement, je bouge mais pas le téléphone. Et on va le regarder après. On va déjà ouvrir la boîte. Donc il y a le chargeur en rouge. Je trouve ça trop bien parce qu'au moins ils ont fait tout en rouge. Même le chargeur. Donc bien sûr, c'est USB-C. Hein. Voilà, même USB-C il est en rouge à l'intérieur. Je vous le prendrai en photo. Et même USB normal en fait. Je sais pas si vous allez voir. C'est nickel. Voilà. Là. Et. Voilà. Même à l'intérieur, c'est en rouge. Je trouve ça trop beau. Franchement, ils ont bien fait. Après. Le chargeur. Putain, il est immense. L'immense chargeur. Voilà, le chargeur OnePlus. Même à l'intérieur, ils ont mis du rouge. Voilà, c'est un chargeur rapide. Donc, il n'y a pas de fil, si. Ah si, il y a un fil. Voilà, il y a un fil. Voilà. Voilà, c'est un chargeur rapide. Normalement, c'est une demi-heure pour charger son téléphone. Toute sa capacité. Donc, maintenant. Alors, là, on voit que ils ont mis un truc. Je vais le sortir. Je sais pas comment je fais ça. Ça c'est dangereux ça, c'est pas bon. Alors voici le téléphone, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. On regardera en plus, je vous prendrai des photos et tout. Là, je vois qu'il y a autre chose aussi dedans. Il y a quoi? Le petit bouquin OnePlus. OnePlus 6. Alors ils mettent une coque. Alors ça c'est plutôt bien maintenant en fait. Maintenant ils mettent une coque, même si moi j'en ai racheté une parce que bon c'est pas très rigide. Donc j'en ai racheté une quand même moi. Avec un écran de verre. Toujours faire ça. Quand on va acheter un nouveau téléphone. Voilà, bon bah une notice, mais bon. On va dire que ça sert un peu à rien. Je sais même pas s'il y a du français dedans. Alors. Si, démarrage rapide en français. Oh bah tiens. Attends. C'est tant mieux. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est encore... ouais bon, c'est le truc de garantie je pense. Ça c'est quoi? Des autocollants. OnePlus. C'est quoi ça? Bon, c'est pas grand chose. Et là, il y a le petit. La petite clé.
pour mettre la carte SIM. Voilà. Donc voilà, pour ce déballage, je vous ferai des plans et tout pour que vous voyez bien le téléphone surtout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai le démarrage avec vous. Donc voilà, le téléphone, franchement il est magnifique. Zoom. Désolé. Voilà. Bien sûr, avec la petite encoche là-haut. Toute petite. Ça qui est bien. Double capteur photo. Empreinte digitale à l'arrière. Voilà. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère. Ça vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!